C'est une action pacifique et non violente destinée à retirer des rayons les produits en provenance d'Israël. Nous appelons au boycott d'Israël. Nous sommes des consommateurs comme vous. Nous considérons que le consommateur doit être respecté. On ne peut pas vendre les produits d'un pays qui assassine les Palestiniens, qui pratique l'apartheid à l'égard des Palestiniens. Boycott Israël ! Boycott Israël ! Boycott Israël ! Dans le port de Sète. Pendant 2 ans et demi, nous avons mené la bagarre et nous avons gagné contre la France. Doucement, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? C'est Méadrine, monsieur, il y a marqué Méadrine. Mais par contre, les produits en eux-mêmes ne sont pas israéliens. C'est Méadrine qui exporte et nous, on boycotte Méadrine. Les bénéfices, ils vont où? Ils vont à Israël, que je sache. Ouais, les intérêts. Les bénéfices, ils vont où? Excusez-moi. Ben, on reviendra. Pourquoi tu gardes les grenades? C'est à Rabat, ça. C'est un... qui exporte les grenades. C'est qui? Attendez. C'est une action non violente, tout à fait pacifique, pour protester contre la présence de produits israéliens sur les rayons. Nous appelons les clients à être solidaires des Palestiniens et à ne pas acheter des produits en provenance d'Israël. Nous avons retiré les avocats, les mangues, les grenades et les kumquats. Nous allons maintenant retirer les bouteilles de vin en provenance d'Israël. Et ensuite, nous allons également retirer les produits SodaStream et les lingettes qui sont fabriquées en Israël et exportées par Israël. Nous appelons à boycotter les produits israéliens. Surveillez les étiquettes. Vous êtes des consommateurs conscients. Vous ne pouvez pas acheter n'importe quoi, n'importe comment. Vous devez soutenir la Palestine. Boycott Israël ! Boycott Israël ! Boycott Israël ! Boycott ! La provenance d'Israël qui est exportée de la ville matin au même Israël. Donc on le retire. Vous remarquerez qu'il y a ici des produits cachers. Nous ne touchons pas aux produits cachers. Ce n'est pas un problème contre les Juifs. C'est un problème contre l'État d'Israël, qui est l'État sioniste. J'ai bien compris. Qu'est-ce que vous pensez de cette action, monsieur? Vous pensez que c'est légitime, c'est justifié ou bien? Je partage pleinement ce que... Enfin, tout. Merci, monsieur. SodaStream est une entreprise qui fabrique ses produits dans les colonies israéliennes. On vole leur terre, on vole leur eau. C'est bon. Qu'est-ce que vous pensez de l'action? Vous êtes un client, qu'est-ce que vous pensez de l'action? Je suis de votre action très très bien. D'accord. Très très bien. Merci. Et continuez comme ça. Merci. Le mouvement suivra. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, bien. Pourquoi? Pourquoi bien? Allez, développez. Elle est bien. Bon. Vous êtes client aussi? Je suis client. Vous faites attention à ce que vous achetez. Israël!
Faites attention à ce que vous achetez. L'action de sensibilisation des consommateurs que vous êtes et que nous sommes, nous vous encourageons à ne pas acheter les produits israéliens parce qu'Israël assassine les Palestiniens. Nous appelons à boycotter les produits israéliens. Il y a des fruits et légumes. Regardez les étiquettes. Je ne crois pas que ce soit un produit israélien. Par contre, vous avez des fruits et légumes, beaucoup de fruits et légumes. Vous avez les sodas Stream. Il faut regarder les étiquettes. C'est une intervention de sensibilisation. Nous sommes tout à fait pacifiques et non violents, même si nous élevons la voix pour se faire entendre, pour nous faire entendre. C'est une action de boycott des produits israéliens. Nous demandons à Casino de retirer et de refuser d'acheter les produits israéliens et de les mettre sur sa distribution. Israël ne respecte pas le droit. En l'espace de moins de 10 jours, Israël a tué 162 Palestiniens en bombardant Gaza, en bombardant la population civile. Il y avait 34 enfants qui ont été tués par Israël dans ces bombardements. Nous ne pouvons pas nous rendre complices. Israël est un État assassin. Ce n'est pas un État comme les autres avec qui on peut faire des relations comme les autres et du commerce comme les autres. Israël est un État juif, réservé pour les juifs, et à ce titre-là, c'est un État raciste. Et nous sommes contre le racisme. Et nous vous appelons à boycotter les produits israéliens. Il y avait ici des avocats mentionnés en provenance du Chili, mais qui sont distribués par l'entreprise israélienne Mehadrin. Et Mehadrin est la première entreprise d'exportation de fruits et légumes d'Israël qui nous inonde de ces produits, dont très nombreux produits en provenance des colonies. On ne peut pas vendre les produits d'un pays qui assassine les Palestiniens, qui pratique l'apartheid à l'égard des Palestiniens. Du temps de l'Afrique du Sud, nous avons boycotté l'Afrique du Sud parce qu'elle avait instauré un système d'apartheid à l'égard des Noirs. Eh bien, nous, maintenant, c'est Israël qui a instauré un système d'apartheid à l'égard des Palestiniens. Outspan, qui était la marque d'Orange. Eh bien, aujourd'hui, les oranges, ce sont les oranges Jaffa, exportées par Israël, et c'est la marque Jaffa qu'il faut boycotter. Tous les agrumes Jaffa, tous les pamplemousses, toutes les mandarines, nous appelons à boycotter la marque Mehadrin. Regardez les étiquettes, regardez l'origine et la provenance. Israël, boycott ! Israël, boycott ! Israël, boycott !